Fascinant. Absolument fascinant. Ce monastère recèle tant de trésors. Mais c'est la signature de Montaigna. Et là, c'est un Caravaggio. Incroyable. Vraiment. Mais comment a-t-on pu les oublier? Des trésors. Mais si ces trésors pouvaient être remis au Vatican? Pour les chrétiens, leur valeur est tout bonnement inestimable. Quelle découverte! Rappelez-vous ce que fut cet endroit. Ce n'est pas un simple monastère, c'était une prison. Des gens ont été exécutés pour avoir voulu prendre le pouvoir. C'est à eux qu'on a dû voler tous ces objets. Ils ont trempé dans la haine et la trahison. Vous serez maudits si vous vénérez ces objets. Je n'ai ni le temps, ni la patience de vous expliquer ce qu'est la foi, mademoiselle. Mais je vais vous dire pourquoi nous avons trouvé ces trésors. Parce que nous les devons au Seigneur. Il nous a guidés. Le Seigneur voit tout. Il sait tout. C'est clair? Allez prêcher les convertis. Qu'en dites-vous, Edward? Vous me semblez un peu plus cultivé. Moi, je m'en fiche. Je ne crois qu'aux richesses matérielles. Alors, épargnez-moi vos bondieuseries. Vous me décevez. Cela ne m'étonne pas, mais vous me décevez. Ces voleurs valent bien mieux que vous, sans doute. Au moins connaissaient-ils, eux, la valeur de ces tableaux? Épargnez-nous votre prêche et essayez de comprendre une chose. Vous ne pouvez pas qualifier tous ces morts de voleurs en quête de trésors. J'ai vu des cadavres de femmes coupés en morceaux parmi ces momies. Et ils étaient encore frais. Oui. C'est étrange. Et c'est à vomir, même quand on a l'habitude de voir des cadavres. Alors c'est ce couple. Mais pourquoi? Imbécile! Imaginez-vous vraiment ces deux aimables chrétiens tuer quelqu'un de sang-froid? Non, c'est l'œuvre d'êtres envieux et cupides. Des païens nés de la barbarie. Des immigrés. Bref, je refuse de me joindre à ces calomnies. Voilà. C'est insupportable. Insupportable.
Oh.